Mais donc, une lance Dropnir ? La lance Dropnir. Eh bien, à vrai dire, autant de lances que nécessaire. Par ici, j'ai trouvé un accès. Nous devons descendre en wagon. Pour être tout à fait franc, je m'inquiète un peu. Nous venons de fabriquer une arme capable de tuer un dieu. Tu pourrais bien retomber dans tes vieux travers, non ? Cela te fait-il peur ? D'aider un autre dieu brutal ? C'est pour toi que j'ai peur, mon frère. Cette lance pourrait déclencher une guerre, LA guerre. Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géants t'attendaient-ils depuis le début. Et donc, cette lance Dropnir, es-tu prêt à t'en servir ? Pour protéger Atreus. Je ne suis le champion de personne d'autre. Et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme. Mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Heimdall, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Bon sang, qu'a-t-il dit ? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait, Atreus n'est pas à Asgard ? Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. On peut l'atteindre avec ta lance, je crois. Par ici. Une autre pierre tombale de Berserker. Tu sais quoi faire, mon frère. Attends. Tiens-toi prêt à combattre. Rasse refile l'insensible. Oh!
L'insensible. Pour le roi ! Alpha ! Vieux Dieu ! Pas compliqué !
Parle-moi de ça. Il ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Et ses champions berserker encore moins. Des ordures. Tous autant qu'ils sont. Pourquoi n'en parler que maintenant? Avant, on ne pouvait rien y faire. Seulement, cette poignée a changé la donne. Parle. J'aimerais que tu me portes quelque chose. Un marteau. Une arme? Non. Un marteau de forgeron, petite tête. Un symbole de la résistance, de l'unité de la guilde. Tout le couplet. Du moins, jusqu'à ce que les As l'enfouissent sous cette énorme statue de nain, dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Eneriars? Le père de tout était prêt à m'égorger pour vous attendre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance, tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui, et nous pourrions chercher le marteau de Durlin tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Sans les tours de forage, il paraît un peu plus pur, c'est vrai. Il ne paraît pas, il l'est. Oui, c'est vrai. Merci, mon frère. Autant que je sache, c'est dans cette direction que se trouve la grande statue de nain. Le marteau de Durlin ne devrait pas être loin. Ah!
Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Voilà. Pitié, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, pour faire simple, un trésor. Celui qui est caché là-bas, pour être précis. Mon fils et moi, nous sommes venus ici en quête des richesses de ces îles. Craignant que ce soit trop dangereux, je suis parti seul. Et il semblerait que j'ai vu juste. C'est pour ça que tu es resté là. Mon fils. Je crains qu'il soit parti chercher l'autre moitié du trésor. Je vous en prie, trouvez-le. Et dites-moi ce qu'il en est. Si vous souhaitez une récompense, vous pouvez prendre le trésor. Il n'en est plus que faible. Nous étions des marins. Pour quitter les gardes. Il reste son fils n'est sûrement plus aujourd'hui. Il ne coûte rien de le vérifier. Vraiment ? La vue d'ici est splendide. Une autre ardoise incomplète.
fluo. Le marteau de Durlin. Toujours intact après tout ce temps, contrairement à la ténacité de Durlin. Nous lui rapporterons. La graine de Muspelheim est maintenant complète. Trouvons un accès mystique. Elle nous mènera peut-être aux épreuves de combat de Sur. Derrière toi! Regarde!
droite, mon frère. Entre les créatures et tous les débris, personne n'a pu sortir d'ici vivant.
S'ouvrir devant nous. Je peux voir les décombres d'ici, mon frère. Il semblerait qu'on soit au bon endroit. Tu le tiens. Un autre? Déjà? Oh, parfait. Pourquoi apparais-tu sans cesse, mon petit? Est-ce ton chef qui t'a demandé de nous surveiller? Non, ce n'était pas notre intention. Tu dois me croire et je ne suis ici qu'en qualité de guide. Et seulement si tu le souhaites. C'est la procédure.
Eh bien, tu peux être tranquille. Nous les ramènerons à Ratatosk. Merci. Encore désolé si je t'ai offensé. Je promets d'être plus utile la prochaine fois. Une vraie petite plotte de nerfs. Joli pactole, mon frère. On trouvera le fils du fantôme. Vraiment ? Sa requête n'est pas une diversion ? Il ignore le sort de son fils. Alors, soit. Kratos, n'as-tu pas un moyen de franchir cette porte ? Tu as trouvé quelque chose ? Oui. Frère, revenons à ce que tu disais quant à l'oracle de ta terre natale. Tu as mentionné un pacte avec Arès que tu souhaitais rompre. Oui. Une prêtresse avait eu des visions de l'Olympe dévastée par le dieu de la guerre. Alors elle m'a aidé, dans l'intention d'affaiblir Arès et de protéger son royaume. Elle n'avait pas vu que je le tuerais et que je prendrais sa place. En fin de compte, j'ai causé la ruine qu'elle avait entrevue. Ainsi, l'oracle a elle-même provoqué le destin qu'elle entendait éviter. Voilà une situation qui me paraît familière. Tu as pu forger la lance ? Attends, ne dis rien ! Je veux que le roi me raconte ce qui s'est passé. Je vais faire comme si je n'avais jamais été là. Comment Atreus peut atteindre Asgard ? Désolé, mais tu devras le demander à Odin. Il en contrôle tous les accès. Je comprends que ce soit décevant étant donné la valeur que tu accordes à notre expertise sur ces choses-là, mais il a toujours une longueur d'avance sur nous. Et pour la reine des Valkyries ? J'espère que ça te convient. Ça fonctionne ? Je t'en prie, dis oui. Que te faut-il ?
Maintenant que tu as ton arme, nous n'avons plus qu'à trouver un moyen d'atteindre Emdahl. Oui, si c'est toujours le plan. Ça l'est. Je protégerai mon fils. Bien. Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute, mon frère, ces choses qu'il t'a dites... Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Montrer la lance. Regarde ça. Allez, finis le travail. Oh, regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard? Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je suis... fatigué. Donc, vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la dalle? Rien du tout. Quelle dalle? Aucun problème. Pourquoi? Tu t'attendais tant que ça? Où vas-tu, mon frère? Dormir. Alors, on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça, ton plan? Kratos,
Tout va bien. Bien, ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu veux ? Tu apprécies ces 12 vagues, petit homme. Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de Fauvebois, la plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde et tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Je suppose qu'il m'incombera de t'apprendre à parler. Ton père t'apprendra à chasser. Ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix. À te connaître toi. Moins il en saura, mieux il se portera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. Atreus est notre avenir. Protège-le, Kratos. Protège notre fils.
Qu'est-ce qui t'a fait, ce mur? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça marche? Pas encore. Mais sur quoi tu te concentres? Le contrôle de mes émotions. Emdahl cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trud, hey, c'est Trud, alors... On s'entraîne sans moi? Et c'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi, mais ta mère va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas... Même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah, d'accord. Tiens, prends ça. Et, passe mon bonjour à Sif, à Dame Sif. Et Atreus, on se voit plus tard. Et Trud. Au revoir, Trud. Les mythes gardiens sont vraiment étranges. Étrange, ça peut être bien. Non mais vous deux, franchement... Y'a quoi dedans? Du lait caillé. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard? We'll be right back.